Hey yo tout le monde, ici Captain87, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite game, tranquillou, sur Fortnite. Donc pour faire les défis, enfin, faire les défis non, parce que j'ai déjà tout terminé, mais plutôt pour vous parler comme ça, tranquillou. Donc dites-moi, déjà dans un premier temps, si vous avez réussi à choper cet aérosol, donc c'est l'aérosol de la PJW, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pense quand même que la majorité savent ce que c'est l'appareil Games Week. Donc, qui se passe en ce moment, je crois que c'est tout le week-end, hein, pour pas dire de bêtises, je sais plus trop. Donc voilà, donc en fait, comment obtenir cet aérosol, je vais vous réexpliquer. En fait, j'ai fait une petite vidéo, si vous voulez, vous pourrez aller la voir, je mettrai le lien dans la description. En fait, c'est très simple, vous avez deux options. Soit vous êtes à la PJW et vous êtes au stand Fortnite et vous arrivez à, comment dire, avoir le code, enfin avoir un petit code, etc. avec l'aérosol et je pense peut-être des V-Bucks pour ceux qui y sont. Sinon, la deuxième option que j'ai faite, qui est totalement légale, attention, hein, c'est totalement légal. Donc vous allez voir le live de Fortnite, donc d'Epic Games, qui font en ce moment sur la PJW, et de temps en temps, ils lâchent des codes. Et je crois que les codes, ouais, les codes sont à durée limitée. Et ils sont à durée limitée, et ils ont un nombre de personnes limité aussi sur ces codes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 50 personnes qui peuvent l'entrer, etc. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à le choper. Je pense qu'ils en feront gagner aussi demain. Donc pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir aujourd'hui. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense vraiment que. Je pense demain ils vont en faire gagner. Ensuite, dites-moi votre avis sur la mise à jour. Très franchement, moi je vais vous dire, je suis vraiment déçu, 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 déçu. Mais déçu dans plusieurs sens en fait, pas que sur le BR, sur le sauver le monde aussi. Mais d'abord, je vais attaquer le BR. Donc, sur le BR, je suis déçu de plusieurs choses, qui est des zombies déjà. Bon, après, ça c'est pas le plus chiant, c'est juste que la mise à jour a bien planté. Comment dire, ça ruine la map. Des zombies tous les centimètres carrés, c'est assez relou. Tac, attendez. Ensuite, comment dire. Après, ils ont fait deux bons ajouts. Ils ont rajouté deux armes. Donc, le revolver et l'arbalète. L'arbalète, je voulais tellement la revoir. Donc, bah, du coup, ils l'ont remise. Je suis assez content. Et ensuite, sur Sauver le Monde, ils ont repondu le même event que l'an dernier. Et franchement, je suis vraiment déçu de ouf. Après, vous dites-moi si pour vous c'est le cas ou plutôt vous êtes content et pourquoi. Comme ça, je peux voir hein, vos petits arguments, etc. Ça serait assez cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, sur Sauver le Monde, ils ont rajouté. En fait, si vous voulez, il y avait une M16 Halloween qui était super rare que j'avais hein, depuis l'an dernier. En fait, c'est un peu comme l'histoire du school, etc. Que j'avais depuis l'an dernier, et puis ils l'ont ressorti, et puis je l'ai dans le cul quoi. C'est comme pour le school, ils l'ont ressorti, j'ai un peu dans le fion, et là ils ont ressorti la faux. Je vous avoue que je suis assez déçu. Ok, ouais, ça se fight. Alors lui il se fight pas, je vais aller le contourner. Du coup, si vous voulez faire des games abo ou juste des games comme ça, n'hésitez pas à ajouter mon PSN et mon Epic. Ouais, c'est même que mon PSN. Il met mal. C'est quoi ce mec? Ouah le bâtard. Bon, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pas de la game, hein, parce que franchement, elle était à chier. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'ensemble de cette mise à jour, etc. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sur ce, bye tout le monde.